Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va? Oh, j'ai pas beaucoup réfléchi, c'était vital. Hein. C'était très important pour moi d'écrire et de transcender le réel pas très sympa à ce moment-là dans ma vie. Je pense que c'est important de témoigner parce que c'est une histoire qui a évidemment bouleversé tout le monde. Et qu'aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. Le témoignage, on l'a bien vu les siècles derniers, malheureusement toutes les horreurs qu'on peut vivre, c'est de la survie aussi de témoigner et d'entendre aussi qu'une victime va bien et se bat. Peut-être que ça peut faire du bien aux gens. Et en tout cas, oui, encore une fois, transcender le réel grâce au théâtre, qui est un art majeur et magique, c'est super extraordinaire. Je ne pouvais pas espérer mieux que Jean-Philippe Daguerre comme metteur en scène pour cette pièce. Il a l'expérience, l'humanité, la sensibilité, la pudeur qu'il fallait, je pense, pour monter un sujet pareil. Ça se passe super bien. On est complet, le public est vraiment ravi, on a des super retours. Donc oui, ça se passe très très bien. Bah, de la joie. Qu'espérer de mieux que de voir porter ces mots par un metteur en scène exceptionnel, un producteur rare et qui a pris des risques, et des comédiens tous plus brillants les uns que les autres. Je ne pouvais pas espérer mieux. Quelque part, c'est une rescapée, une victime qui dit aujourd'hui « je vais bien ». Voilà, la vie est plus forte que tout.